L'Enfer des Masques avant tout est un thriller avec une composante SF, fantastique SF, ce qui est un petit peu différent de ce que je fais d'habitude puisque je pars plutôt sur une problématique science-fictionnelle, toujours un peu teintée de polar ou de thriller, mais où c'est la SF qui est quand même prépondérante, alors que là, j'ai vraiment voulu faire un thriller avec du suspense, mystère, etc. Et donc, du coup, je suis, par la force des choses, je me suis plus focalisé sur les personnages, qui sont vraiment les vecteurs du récit, de la narration, et notamment l'un d'eux, qui est une jeune femme d'une vingtaine d'années, Nora, qui part à la recherche de son père, dont elle ne connaissait absolument pas l'existence jusque-là. Et elle va réaliser petit à petit que ce père, en fait, non seulement ne l'a pas reconnu, mais en plus la déteste. Et elle ne comprend pas pourquoi. Elle va absolument vouloir savoir pourquoi. Ce père, en l'occurrence, c'est une sommité de l'informatique, très riche, qui a énormément de pouvoir. Et donc, il va établir un rapport de force avec elle très déséquilibré. Puisque lui a tous les pouvoirs et elle n'en a aucun. Mais malgré cela, elle va s'acharner et elle va réussir finalement à percer quelque part un peu sa carapace. Oui, donc on a un second personnage féminin également qui se réveille au début du roman dans une clinique. Apparemment une clinique de convalescence pour les post-comateux. Donc elle est restée un certain temps dans le coma et lorsqu'elle se réveille, elle est quasiment amnésique. On lui explique qu'elle a eu un accident, mais on ne veut pas lui en dire beaucoup plus pour des raisons thérapeutiques. Bon, elle va petit à petit se rendre compte que ces raisons ne sont pas que forcément thérapeutiques. Oui, sur l'amour, il y a aussi en fait la notion d'amour fou quand même, hein, qui fait qu'il n'y a plus aucune limite et qu'on peut vraiment déraper de façon très grave. Je ne sais pas si c'était réfléchi dès le départ, mais c'est ce qui est devenu quand même une des composantes principales du roman. Ça, c'est clair, avec les deux couples d'une part et l'interaction entre la paternité d'un côté et l'amour envers l'amnésique, entre guillemets, d'autre part. Et c'était pour faire voir, pour rien faire voir du tout d'ailleurs, mais pour explorer la complexité en fait, des relations. Amoureuse d'une part, familiale d'autre part, mais les relations d'une manière générale en fait. Et surtout faire voir que toute relation est basée sur un rapport de force. En général, celui qui a le plus de pouvoir et qui est du bon côté du rapport des forces, c'est souvent l'homme plutôt que la femme et celui qui a de l'argent plutôt que celui qui n'en a pas. Donc c'est quand même un petit peu... C'est devenu un peu aussi le moteur du récit. C'est un hommage au cinéma d'une part, et puis je trouvais intéressant d'avoir des personnages. C'est un peu une espèce de mise à l'abîme, c'est-à-dire que le personnage principal et son petit ami sont tous les deux cinéphiles, et donc c'était aussi le prétexte pour faire à un moment donné une espèce de mise en abîme entre la réalité et la fiction cinématographique et faire sourdre un petit peu comme ça de temps en temps le fait que ce qu'on prenait pour la réalité pouvait également être une fiction cinématographique aussi. Et d'ailleurs, l'écriture est très visuelle en fait. Donc l'écriture du roman est elle-même très visuelle et donc cinématographique. Je suis aussi depuis toujours attiré par le thriller, le polar, la fantasy, tout un tas d'autres genres. Et sans le vouloir vraiment, je me suis rendu compte que je finissais par écrire des textes hybrides, de ce qu'on a appelé plus tard la fusion, des textes de fusion en fait. Mais ça s'est fait de manière inconsciente en fait. Et qui évite d'avoir à se cantonner dans un genre, parce que qui sont plus universels en fait. Je trouve que c'est plus universel de mélanger les genres, ce qui fait que les genres disparaissent finalement. Il n'y a plus de genre, il n'y a plus qu'un seul genre qui est ce mélange des genres. Et c'est encore plus vaste à la limite que d'être dans uniquement un secteur science-fictionnel ou fantastique. Et puis pourquoi se brimer en fait, se brider, voilà. Donc oui, depuis le début, je trouve intéressant de mélanger les genres, oui.
qui finalement, c'est pour perdre cette notion de genre, en fait. C'est que la notion de genre disparaît au bout du compte. Est-ce du polar, est-ce du thriller, est-ce de la SF, est-ce du fantastique, est-ce de la science-fiction? Bon, ça n'a pas grande importance à un moment donné. C'est de la littérature imaginaire. Mais imaginaire, encore une fois, là, c'est presque réducteur encore, puisque toute fiction est un peu, quelque part, imaginaire, y compris notre réalité d'ailleurs.